est sur un 2-5-1 majeur en tonalité Do, donc c'est Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Deuxième degré, une mesure. Cinquième degré, une mesure. Premier degré, Do majeur 7, deux mesures. Donc là, je ne vais pas faire un tutoriel sur les accords, hein, mais après, toutes les possibilités sont possibles. Hein, Ré mineur 11, Sol 7 bémol 9, Do majeur 7, Do dièse diminué 7, ou Ré mineur 9, Sol 7 quinte dièse, Do majeur 6 9, par exemple. Alors, on va avoir des notes avec plusieurs positions, toujours avec les mêmes notes, sur deux octaves. Donc, on va avoir comme note Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Ré, sur le Ré mineur 7. Puis, Sol, La, Si, Do, Ré, Si, La, Sol, sur le Sol 7. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do, sur le Do majeur 7. Donc on est en tonalité Do majeur 7, nos notes sont bien comprises dans la tonalité, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors sur le Ré mineur 7, bien sûr, on va avoir certaines notes importantes, comme les notes de l'arpège, hein, Ré, Fa, La, pourquoi pas le Do. Sur le Sol 7, eh bien Sol, Si, Ré, Fa. Et sur le Do majeur 7, Do, Mi, Sol, Si. Bien sûr, on n'a pas que ces notes des arpèges, on a des notes de passage, on pourrait dire, qui sont toujours des notes dans la tonalité. Hein. Pour l'instant, on fait simple. Mais vous voyez que sur le Ré mineur 7, on commence par Ré, sur le Sol 7, on commence par Sol, et sur le Do majeur 7, on commence par Do. Donc, on affiche, si vous voulez, à chaque fois la fondamentale. Donc on va travailler plusieurs positions, toujours avec ces mêmes notes, hein, je le répète, et sur deux octaves. Donc faites attention au doigté main gauche. Et bien sûr, on va phraser jazz. Hein, donc là, c'est écrit tout en croche, mais il va falloir interpréter. Hein. C'est-à-dire jouer ça de façon ternaire. Allez, première position. Donc vous voyez, on va avoir Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do. Retrouve le Si, on rejoint le Do. Si, Do majeur 7, Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Après, il faut être capable, vous voyez, de n'importe quelle position, de ressortir le 2-5-1. Ok, je vous conseille ensuite bien d'essayer ça avec les playbacks. Hein. Alors d'abord à 80, tant que vous ne passez pas à 80, pas besoin de passer à 100, ni à 120, et encore moins à 140. Et bien sûr de passer toutes les positions. Thank you.
Mm-hmm.